on ne parle pas de boucan, on ne parle pas de bruit, on ne parle pas de conneries. J'avais voulu faire une vidéo, tranquillement, tranquille. J'avais voulu faire une vidéo, mais vous savez, les connexions ici sont bizarres. Donc quand tu fais une vidéo, c'est long pour télécharger. Donc j'ai préféré faire un direct parce que je vous ai dit maintenant là, on va marcher sur le direct, tranquillement, tranquille. Alors, avant même de commencer la vidéo, tranquillement, tranquille, hein, je vais essayer de sensibiliser au moins certaines personnes, tranquillement. Parce qu'on est plein, je vous dis, on est plein sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos, les blogueurs, les blogueuses. Bon, moi-même, j'appelle les menteurs. Et non, se blague ici sur les réseaux sociaux, tranquillement, tranquille. Donc, on n'a pas se dit la vérité. Il y a eu un temps où on faisait des vidéos, oui, écoutez, moi je suis millionnaire, on vit en plein sac à main, oui, ça c'est du Gucci, ça c'est du Versace, ça c'est du tant, c'est du oh, oh, mon cul, ouais, tranquillement, tranquille. Je vous ai dit, Lolo Beauté a sa manière de faire ses vidéos, tranquillement, tranquille. Il est arrivé une nouvelle ère où on doit dire stop aux menteurs et aux menteuses de Facebook. L'heure est arrivée où chaque Africain doit prendre conscience de la réalité de notre pauvreté ici en Afrique. Ouais, tranquillement, tranquille. Lolo Beauté, c'est une blogueuse, oui, tout le monde le sait. Mais il est arrivé un temps où chacun doit poser des actes. Chacun doit réfléchir, bon, là où je suis, qu'est-ce que je dois entreprendre? Vous savez, dans la vie, tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'est pas riche. Le plan, ils ont créé Internet, oui, pour développer un peu les systèmes, pour que, oui, tout le monde puisse se mettre ensemble, tout le monde puisse se voir, tout le monde puisse causer, tout le monde puisse, en tout cas, entreprendre beaucoup de choses. Mais le noir, l'affaire de noir, on pourrait sortir dedans. Nous, on est tout en bas de maillot. Vous savez, il y a des personnes à un seul utilisé pour mieux régner. Moi, je dis stop à ça. Tranquillement, tranquille. Nous, les Africains, là, nous devons nous mettre ensemble et puis avoir une seule vision. Vous allez voir qu'on sera indestructible. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Lolo Beauté est en train d'entreprendre une campagne pour nous les Africains. Quand tu vis ici en Afrique, ouais, quand tu vis en Europe, nous puissions avoir une même idée et puis évoluer tranquillement, tranquillement. Oui, Lolo Beauté a créé son mouvement. Ah oui. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, là, les blogueurs, ils sont là, vous, on vous ment, et puis vous êtes là, vous écoutez. Moi, il y a certaines personnes, même, avant de venir même sur le sujet, il y a certaines personnes même qui sont sur les réseaux sociaux, elles attendent à ce qu'il y ait des clashs. Ah oui, nous, on est trop abus même de notre personne. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de clash sur les réseaux sociaux? Est-ce que tel artiste n'a pas clashé contre artiste? Est-ce que tel fanatique n'a pas clashé? Moi, je dis non. L'Afrique ne peut pas évoluer si on marche, si on a ces champs de pensée là. Non, tranquillement, tranquille. On doit se mettre ensemble. On doit avoir l'esprit de développement. Comment venir développer l'Afrique? C'est ça notre principal objectif. Tranquillement, tranquille. Donc, nous avons mis une structure en place. Ah oui, tranquille. Parce qu'il y a trop de menteurs et de voleurs ici en Afrique. Non, tranquillement, tranquille. Il y a trop de menteurs et de voleurs. Donc, Lolo Beauté a mis une structure en place. Ah oui, un mouvement. Groupe Lolo Beauté, sauvons une vie. Vous savez, souvent, on vit, on est heureux, on est épanoui, on fait le boucan. Oh, oh, oh. Ça, là, moi, j'appelle ça des tombeaux vides. Ah oui, tranquillement, tranquille. C'est des tombeaux vides. On fait du bruit, mais on n'a aucun objectif. Et je voudrais que chaque Africain, ah oui, je vous ai toujours dit, Lolo Beauté n'est pas ivoirienne, elle n'est pas centrafricaine, elle n'est pas camerounaise, elle n'est pas ghanéenne, elle n'est pas sénégalaise. Moi, je suis africaine. Donc, quand je marche, mais quand je fais une vidéo, c'est pour amener les Africains à prendre conscience de notre position et comment nous poussions et mettre nos idées ensemble et puis voler. Lolo Beauté n'est pas intelligente. Je suis très bête. Ah oui, je suis très bête. Issue d'une famille pauvre qui a travaillé à la sueur de son front pour avoir un peu aujourd'hui et puis manger, dormir dans une maison saine
et dans un cadre tranquille. Donc, Lolo Beauté a mis une structure en place. Oui, vous avez beaucoup vu Lolo Beauté, elle est au CHU. Vous avez vu Lolo Beauté dans les hôpitaux, oui. J'ai créé un mouvement et je vais en parler. Parce que vous savez, le mouvement, c'est vous et Lolo Beauté. On doit s'asseoir, vous devez écrire à Lolo Beauté. Voilà comment ça doit fonctionner. Mais ce mouvement, c'est pour tous les Africains. Ah oui, sauvons une vie. Ah oui, parce que quand tu rentres dans les hôpitaux, il y a des malades qui n'ont même pas 5 francs. Je vous dis 5 francs pour s'acheter leurs médicaments avant même qu'on ne dise qu'eux-mêmes ils vont manger. Tranquillement, tranquille. Souvent, Dieu crée des situations pour voir la réalité du terrain. Il y a eu un parent qui a fait un accident, je m'occupais de lui, de ses opérations. Mais quand j'ai mis pied au CHU, quand j'ai vu la situation de certains parents, j'ai coulé des larmes. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout faire soi-même. Il y a certains cas, j'ai pris en charge, j'ai commencé. Mais vous savez, dans la vie, là, c'est deux mains qui se lavent. Ah oui, c'est deux mains qui se lavent. J'ai dit, mais bon, pourquoi ne pas créer une structure? Vous savez, dans la beauté, elle n'est pas intelligente. Donnez-moi des idées, je vous donne des idées. On crée un mouvement et on met en place. Le mouvement est déjà créé. Ah oui. Il y a un compte même en banque qui a été créé pour que toutes les personnes qui sont hors d'Abidjan, hors de l'Afrique, puissent faire les petits dons. Vous savez, dans la vie, on ne demande pas de vivre à quelqu'un. Si chacun met 1 euro, chacun met 500 francs, on pourra ensemble sauver une vie. Vous savez pourquoi ceux qui sont en Europe là n'aiment pas aider ceux qui sont en Afrique ici? Tranquillement, tranquille. Ceux qui sont en Europe n'aiment pas aider ceux qui sont en Afrique. Mais nous là, on est des voleurs. Comment un pauvre peut se lever pour dire oui, moi je vais aider mon ami pauvre. Et puis toi, on te remet l'argent d'un malade et tu bouffes ça. J'ai dit, là maintenant, c'est la prophétesse Anne qui parle. Quand on te donne 5 francs pour un malade, quand tu essaies de t'enrichir sur le dos de ce malade, mon ami, tu es maudit jusqu'à la 7e génération. Si tu ne connais pas, demande-moi Lolo Beauté. Être maudit jusqu'à la 7e génération, ça fait du quoi? C'est-à-dire, toi-même, tu es déjà maudit. Tes enfants, même que tu vois, ils sont déjà maudits. Les enfants de tes fêtes, c'est une continuité jusqu'à la 7e génération. Donc, Lolo Beauté veut changer la mentalité des gens. On n'a pas arrêté les histoires de on se clash, ou bien les histoires de venir sur les réseaux sociaux pour dire, moi, j'ai de l'argent, moi, je suis ceci, je suis cela, mon ami. Si tu as de l'argent, clique sur le groupe soutien Lolo Beauté hein, dans son mouvement, dans son groupe. Toute la structure sera mise en place et puis nous allons évoluer. Si tu as 5 francs, tu apportes Lolo Beauté, voilà 5 francs. Le jour où tu vas au CHU où il y a un nouveau cadre, fais-nous des directs parce que nous, en Europe, ici, on n'a pas confiance en toi. D'ailleurs, toi-même, tu es en train de parler là. Qu'est-ce que tu prouves même quand ce que tu es en train de dire là, mais c'est la vérité. C'est les directs. C'est-à-dire, quand il y a un malade aujourd'hui, on est sur le premier camp, pas toujours. Il y a des personnes qui apportent de l'argent. Moi, je suis étonné même de certaines personnes. Ori Loco, c'est mon ami, c'est un blogueur, lui qui a la main sur le cœur. Il a dit, Lolo Beauté, je t'apporte 50 000. Il y a des personnes qui ont apporté 30 000. Il y a des personnes qui ont amené 20 000 francs sur mon Orange Money. Un peu, on est en train d'arriver. On va faire l'opération du premier cas qu'on s'est lancé comme défi. Vous savez, il y a des personnes qui sont sensibles à ce mouvement. Ah oui, c'est une fondation qui est en train d'être créée comme cela. Parce que nous, on est ici en Afrique, là. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, on ne sait pas s'organiser, on ne sait pas mettre quelque chose en place et puis on voler, mais on dit stop. Voyez, ouais, Lolo Beauté, je n'ai jamais eu un rêve où ce rêve-là échoué. Non, je ne connais pas ça. Quand je mets une structure en place ou bien j'ai un rêve, ça va aboutir parce que Dieu m'a semé dessus tranquillement, tranquille. Donc, j'évite toutes les personnes. Mais il n'y a même pas quelqu'un à côté d'elle. Elle doit subir une opération. Il n'y a même pas de kit à côté d'elle. Vous savez, c'est la plus grande bénédiction qu'un être humain peut avoir dans sa vie. Quand tu aides quelqu'un qui est dans une maladie, ou bien tu essaies de sauver la vie de quelqu'un, donc c'est une bénédiction que toi-même tu ne peux pas imaginer ce que tu peux obtenir à travers cette bénédiction. Donc, le nom est en train de faire cette vidéo pour vous dire, quand il y a un compte en
avant qu'il ait été créé. Oui, souvent une vie, tu as un euro, tu tapes le livre, tu tapes le numéro de compte, tu envoies ta petite offrande ou bien ton petit don dessus. Ensemble, on fait le bilan et on aide cas par cas. Nous, on n'est pas là pour dire papa, tu as mangé, mais tu n'as pas mangé. Non, ça, c'est pas notre domaine. Nous, notre structure, on est là pour traiter avec les docteurs. Ah, docteur, qu'est-ce qu'il faut à tel malade qui n'a même pas 5 francs pour se soigner? Il nous dit, on fait le bilan et on aide la personne pour sortir de sa maladie. Tranquillement, tranquille. Donc, il y a des personnes qui ont le cœur comme le beauté. Je vous invite. Non, ça là, on ne parle pas de marmaille, on est venu voler quelqu'un. Non, le beauté ne meurt pas des aînés. Moi, j'ai dit toujours dans ma vie, je suis né à Bobo. J'ai grandi dans la pauvreté. Donc, je sais la valeur de 1000 francs. Quand quelqu'un te donne 1000 francs pour faire quelque chose, il faut savoir que ça a la suite de ses fonds. La personne a eu ses 1000 francs. Donc, quand il te donne cet argent-là, il faut savoir gérer cet argent-là et que ça porte un bon fruit. Donc, je vous demande qu'on se mette ensemble pour voir cette œuvre grandir. Ah oui, le côté, moi, je suis une grosse vieille, je vous dis ça en même temps. Mais il y a certains domaines-là, les mouvements, les là, il faut arrêter ça. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les tende la main. Ben, ils sont aux genoux. Quand tu es malade, un, tu n'as plus de dignité. Deux, tu n'as plus d'honneur. Toi, tu es coupé du monde, mais c'est-à-dire tu es à côté. Donc, c'est des personnes qui sont à côté que nous, on travaille, on est un peu, on peut mettre ensemble et puis sauver une vie. C'est une bénédiction. Je n'ai pas trop parlé de ça parce que lui, Lolo Beauté, a été touché par certaines choses. Donc, je veux que vous et moi, on construise ce rêve-là ensemble. J'ai dit ensemble. Voilà, pour l'Afrique. D'abord, vous savez, on est en Côte d'Ivoire, d'accord. On commence d'abord en Côte d'Ivoire. Mais demain, on peut vous appeler Lolo Beauté. Il y a tel cas au Cameroun. Un Camerounais qui m'a envoyé son don. Et de Lolo Beauté, voilà, MoneyGram. Prends ça et fais l'opération de l'enfant. C'est ma participation. Elle n'est pas ivoirienne. Donc, rien ne lui obligeait à pouvoir aider un ivoirien. Voilà pourquoi je vous ai dit, les personnes qui essaient de diviser la Côte d'Ivoire du Cameroun, je dis non. Moi, je suis prête à clasher ces personnes-là quand ils essaient de pouvoir mettre deux pays en guerre. Parce que les réseaux sociaux vont loin. Donc, arrêtez ça tranquillement, tranquille. Donc, mettons-nous ensemble. Chacun a un euro. On met ensemble, on sauve une vie. Dans le mois, on peut sauver deux vies. Dans le mois, on peut sauver trois vies. Ça dépend des moyens pour lesquels la personne a besoin de son intervention. Donc, tranquillement, tranquille, c'était le rêve de Lolo Beauté que je voulais partager avec vous. Vous savez, à un, tu peux craquer des doigts, on ne peut pas entendre. À deux, on peut applaudir, on ne peut pas entendre. Mais quand on est un groupe, on fait une force que personne ne peut imaginer. Donc, je demande à tous les Africains à ce qu'on se mette ensemble et de créer ce rêve-là. Les personnes qui ont besoin d'apporter un don, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en inbox. Le RIB sera mis en grand caractère. Le numéro du compte de Sauvons une vie sera mis en grand caractère. Et puis, donnez-moi des idées pour qu'on puisse avancer. On peut mettre ça en plat et puis avancer. Lundi, le beauté sera au CHU pour l'intervention du premier cas. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont amené un peu. Je pense que d'ici lundi, on va réunir la somme et puis aider cet enfant-là à retrouver l'usage même de ses jambes. Donc, je vous demande qu'on se mette ensemble et puis réalisons ce rêve-là, tranquillement, tranquille. C'est Lolo Beauté qui est au devant, mais c'est vous qui allez apporter les idées et nous allons mettre ensemble et puis au foyer. Que Dieu vous bénisse, je ne vais pas prendre votre temps et puis surtout, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de bénédictions, qui ont besoin de soutenir leurs frères africains. Donc, cette vidéo, je demande si tu es vraiment ivoirien de partager, si tu es vraiment africain de partager cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce rêve-là, qui ont des idées. On va mettre ensemble et puis on va évoluer. Tranquillement, tranquille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous adore. Tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, je vous remercie. Merci les amis. Dieu vous bénisse. Et puis à la fin, on met tranquillement, tranquille.